Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Piggy. Donc un mode un peu spécial où il va y avoir des zones qui vont être différentes, des zones Piggy, vous allez comprendre très vite. Et donc là je vais devoir choisir un personnage. Alors je dois ramasser des pièces pour pouvoir acheter ces personnages déjà. C'est pas forcément drôle là-dessus. Allez hop, alors attends, comment je fais pour l'acheter ça? Je suis à 116, hop. Voilà, donc ça c'est acheté, j'ai acheté mon truc. Et maintenant, il va falloir que j'aille prendre le level. Alors, pour débloquer la zone, donc déjà là, j'ai payé 10 pièces. Pour débloquer la zone, ça va être 100 pièces. Attends, je vais débloquer la zone comme ça, voilà. Et donc là, je suis dans la zone. Alors, je ne sais pas si je peux combattre. Voilà, je pense pas. Et donc là, auparavant, on avait accès à des pièces qui valaient 1. Et là, maintenant, on a accès à des pièces qui valent beaucoup plus. On a des pièces bleues, des pièces jaunes, des pièces rouges. Alors, on a plusieurs téléports a priori. D'accord, donc la zone d'après c'est 15 000. Hein. Donc là on n'est plus du tout sur le même level. Hein. Là j'ai débloqué la zone pour 100. Après c'est 15 000. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors je sais pas pourquoi elle me suit elle. Elle n'a pas dû piger le principe de ramasser ah, des pièces. Donc je vais devoir reprendre le costume. On ramasse beaucoup plus vite des pièces, on marquera. Alors je crois qu'il y a un mode combat pour gagner plus vite des pièces. Spécial skin. D'accord. Et si je vais dans le lobby, j'ai peur que ça m'amène dans une autre zone. Hein. Ah d'accord, c'est 50 coins. Ok, les rouges valent beaucoup quand même. Hein, putain. D'accord, c'est pour ça que je récolte beaucoup plus rapidement. Level 2, c'est combien? C'est 15 000? Ouais, c'est 15 000 carrément. Putain. Ah, je vais jamais y arriver. Déjà, il m'a fallu une éternité pour ramasser les 100 pièces. Mais alors là, 15 000, laisse tomber. Non, ça va être trop long. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelqu'un pour contre qui combatte. Mais bon, oh la vache. Donc là, c'est bon. Les piggy sont en train de me poursuivre derrière, hein, comme on peut voir. L'autre il les a aggro donc je vais lui laisser. Putain, c'est abusé ça. 15 000. C'est impossible d'arriver à 15 000. Alors, si je vais au lobby là, ça me ramène dans un truc à part ou level 1. Ah, d'accord, le lobby c'est pour venir là. D'accord, ouais, mais c'est vraiment un truc de bâtard ça. Hein. Alors, il y a un truc de battle que j'ai pas encore essayé mais qui a l'air intéressant. À mon avis, on doit se battre contre d'autres personnes qui viennent ici. Ah oui, donc tu gagnes combien? Ah, c'était marqué là, j'ai pas vu. Je crois que tu gagnes 100 si t'arrives. Un kill égale 100. Ah oh ouais, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde, je gagne 50 avec les pièces rouges. Ouais, c'est un mode vraiment spécial, hein. Franchement. C'est tellement pété que t'as envie de te payer des persos quoi. Regarde un peu ce qu'il y a. D'accord, ça c'est vraiment les persos spéciaux. J'ai envie de dépenser mon pognon, là j'ai eu 1 000. Je vais pas me taper les 15 000 parce que j'en ai plein le cul, je sais pas que ça va foutre. Donc, Ice Piggy, ouais, bof bof, Rini. C'est quoi ça? Il y en a un qui m'intéresse là. Terminator Robbie. Ah merde, c'est 10 000. Ah bah oui, forcément. Quand ça m'intéresse, c'est pas dans mes prix. Hein. Ouais, il est rigolo aussi. Ah bah 4 000, putain, oui, forcément. 10 000, 15 000. Putain, mais tous ceux qui sont cool, ils sont chers quoi. C'est quoi? Je vais continuer à prendre, tu vois. Et je vais aller faire de la thune. Ouais, donc le mode est pas ouf ouf hein, quand même, hein, putain. T'es obligé de ramasser des pièces en veux-tu, en voilà, quoi. Et puis vous voyez, il y a chaque fois, en fait, les gens, ils peuvent me piquer les pièces, donc c'est pas ouf, quoi, putain. Les autres, ils peuvent vous piquer les pièces, vous allez mettre 50 000 ans pour avoir les pièces, quoi. C'est vraiment pour vous forcer à payer, quoi. Vous voyez, ils créent des zones, et puis après, ça vous force à payer.
Vous allez vous dire, putain, j'ai envie d'aller dans cette zone, tu vois. Et puis au final, ça va être de la merde, tu vois. Ouais, donc le mode est vraiment pas ouf, hein, franchement. Trop long pour farmer. Beaucoup trop long. Vraiment... Ah, mais attends, mais même les bots, ils prennent les pièces? Attends, même les bots, ils te volent les pièces, quoi. C'est pas ouf, ça? Voilà. Donc si même les bots, ils prennent les pièces, c'est abusé, ça. Ouais, donc il va falloir que je ramasse 100 pièces rouges, 5000. 5000. Faut que je ramasse 300 pièces rouges, voilà. Hein, pour débloquer la suite. Seulement 300, 300 pièces rouges. Au calme, 300 pièces rouges. J'ai que ça à foutre, tu crois, t'es sérieux quoi? Surtout que le jeu, bon, il propose rien à part se faire poursuivre par des bots, hein, et puis des skins, c'est tout ce qu'il propose. Voilà, regarde. Et il chope les pièces, hein, ces enfoirés. Voyez, j'ai beau faire mon max. Hein, ça va pas vite, hein, putain. Ça va pas vite du tout. Là, je serai encore là de master. Hein, bon, un petit mode pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hein. J'étais curieux, hein, j'allais dire le thumbnail la mosaïque du jeu était intéressante. Hein. Puis quand tu vas dessus, voilà quoi, c'est un jeu qui te force à payer, quoi. Un mode qui te force à payer. Sur Roblox, ne te force pas à payer. Mais le mode, en tout cas, te force vraiment à payer. C'est pas très intéressant, hein, franchement. C'est pas du tout intéressant. Je suis à 2500, je m'amuse pas. Il se passe pas grand-chose, hein. Je fais que farm. Et ça avance pas vite en plus, hein, alors que je suis à fond. J'évite tous les bots. Mais ça ne suffit pas. Et après, il y aura des pièces qui auront plus de valeur. Merde. Faut choper la pièce. Ah, les jaunes ne servent à rien du tout, hein. Je sais pas si l'autre il a eu assez de pièces. Non, il n'a pas eu assez de pièces. Il n'y a pas beaucoup de monde hein, dans la zone d'après. C'est un peu normal, c'est trop cher, quoi. Beaucoup trop cher. Alors je peux même pas mettre le son du jeu parce que je me prends des copyrights des claims, quoi. Donc mes vidéos non monétisables, hein, si je mets le son du jeu. Vu qu'il n'y a personne qui me fait de dons et que je gagne 3 euros par mois avec... Avec le nombre de vidéos que j'ai fait, je m'en fous un peu, quoi. Donc quand je dis 3 euros, c'est peut-être 1 euro par mois. Comme si j'allais chercher de l'argent dans une fontaine. Encore, je me ferais plus d'argent. Bon, le mode est vraiment pas intéressant du tout. Hein. Le mec qui a créé ça, c'est vraiment pour attirer un max de monde avec la mosaïque. Et au final, voilà, quoi, t'es obligé de cracher de l'argent pour pouvoir avancer. Bon, le seul plaisir c'est de voir les autres se faire tuer à votre place. Ça c'est le seul truc rigolo. Sinon c'est vraiment pour acheter des skins, mais toutes ces skins on peut les avoir gratos sur d'autres modes, quoi. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. On est 50 à essayer de se partager des pièces à la con, quoi. Allez, ça va faire 10 minutes de vidéo et je suis à moins de 5000, quoi. Faut 30 minutes pour pouvoir passer à la zone d'après, quoi. Je veux dire, ça a aucun intérêt, hein. Vraiment aucun de aucun. Il y a 4 zones à débloquer, vous imaginez? C'est-à-dire que je vais passer une dizaine d'heures pour débloquer les 4 zones. Il se passe rien du tout, quoi. Tu cours après des pièces à la con. Quoi. Ça me crève, moi. Ça me crève, ça me crève. Je trouve que c'est crevant de... Quoi, après des pièces qui te servent à rien. Le mec qui a fait ça, il a vraiment pas honte. Hein. Un mode aussi inutile.
Ouais, il se passe rien. Je vais même pas arriver à 5000, quoi. Mon objectif, c'est 5000 quand même. En fait, t'as l'impression qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien, quoi. Faut que je récolte 300 pièces rouges pour pouvoir passer après. Bon, on va s'arrêter là, je vous dis bye bye, au revoir.